Je voulais remercier vraiment vivement les deux artistes, que ce soit Bastien et Sancho. Je crois qu'ils se sont vraiment pas ménagés. Je crois qu'à la sortie de la soirée, ils vont être vidés. Ils ont bien mérité un repos compensatoire. Et puis, dès demain, je crois qu'il y en a pour Bastien, il enchaîne déjà un concert. Aussi, remercier mais vraiment tous les participants, toutes les structures qui ont participé, les éducateurs, les encadrants, parce que vraiment, monter, retranscrire toute une semaine de travail, je sais que c'est vraiment pas facile. Et par contre, soyez sûrs qu'ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes et que tout ce qui sortira ce soir sera chaleureux et convivial. Donc Émilie, si tu veux dire deux mots, et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée. Bravo à tous pour le travail effectué cette semaine. Un merci spécial aussi peut-être à Isabelle. Surtout, on vous souhaite une très belle soirée. Malheureusement, je ne pourrai pas rester avec vous parce que j'ai des obligations professionnelles ce soir. Mais je ne manquerai pas de regarder la vidéo. Voilà, très très belle soirée à tous. Écoutez, je suis vraiment très très heureux d'être ici. Ça paraît toujours banal de dire ça, mais... c'est vraiment la vérité, je mesure la chance que j'ai et je mesure la chance que j'ai eue de passer cette semaine avec vous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mené des semaines d'atelier d'écriture comme ça et je me rends compte que ça m'avait vraiment manqué, sérieusement. J'ai passé un très bon moment et je suis très heureux qu'on soit ici pour partager ce moment de clôture hein, de cette semaine ensemble. C'est parti. J'aperçois un enfant
parti.
Même si on n'est pas tous égaux, même si certains sont marginaux, même si l'entraide a disparu, même si nous nous sentons perdus, on trouve la force de rebondir après les larmes et les sourires. On trouve la force de rebondir. On trouve la force de rebondir. On trouve la force de rebondir. 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 Oh, rebondir. 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 La soirée est presque terminée. Ah oui. Presque. Alors, avant de vous quitter, on a plein de gens à remercier. Ouh, il y a beaucoup de monde. Alors. Beaucoup de gens à remercier. Alors, je vais vous dire tout le monde et on va faire à la fin, mais vraiment un gros applaudissement général à toutes les personnes que je vais citer et toutes les structures. Parce que, déjà, premièrement, j'ai envie de remercier tous les participants à cette semaine pour leur présence, pour leur investissement, pour leur créativité et pour leur bonne humeur. Alors, je pense qu'on peut tous les réapplaudir très très fort. Merci tous les gens, toutes les structures sans qui cet atelier et ce concert n'auraient pas été possible. Alors, on va remercier la DRAC, l'ARS, la Région, la Fondation Orange, la mairie de Villeneuve-sur-Lot, le Relais, la Recyclerie Saint-Vincent-de-Paul, le CMS, le Foyer des Jeunes Travailleurs, l'Hôpital de Jour et le CHD de la Candélie, la Sauvegarde, Voix du Sud, Pascal, Audrey... Isabelle, quand même, faut savoir qu'on l'a réveillée à 3h du matin pour qu'elle nous trouve des pépitos. Dominique. Ouais, non, mais Isabelle, vraiment, sans elle, on aurait été perdus. Voilà, il y a Dominique aussi, David. On remercie David. Il y a aussi l'autre David, le troisième David, le quatrième David, le cinquième David, le sixième David. Bon. Et on remercie aussi l'équipe technique qui nous a permis de jouer ce spectacle dans des très bonnes conditions. Je vais vous demander, s'il vous plaît, pour tous les gens que je viens de citer, vraiment, un énorme applaudissement. Merci beaucoup. Il faut savoir que ça se monte pas comme ça, un atelier d'écriture. Nous, on est bien beau comme ça, on arrive, on nous dit, ça vous dit de participer, de mener des ateliers. On arrive, on est content, on dit oui. Mais en amont, il y a énormément de travail que nous ne faisons pas. Donc voilà, vous avez compris pourquoi on n'a pas essayé de retenir toutes les personnes à remercier. D'habitude, on fait ça, mais là, on a préféré sortir une page à 3 pour... à 4 d'ailleurs, mais très rempli, écrit très petit. Donc merci encore à tout le monde.
Et juste, mais là, c'est très très personnel. On a eu la chance d'aller manger tous les midis au CCAS. Et moi, je voulais passer, même si elles n'en sont sûrement pas là, un grand merci à toutes les jolies dames qui nous ont accompagnées pendant nos repas le midi. Les deux supporters, c'est vraiment... Donc ouais, on a passé nos midis au CCAS. Sancho a passé aussi ses soirées, mais ça ne me concerne pas. On avait quand même un peu de temps en sortant, on était fatigués, mais on avait un peu de temps en sortant des ateliers, donc on a quand même taffé sur une chanson en commun. J'ai taffé, vous savez sur quoi? Sur une chanson en anglais, puisque je me suis dit, tiens, je ne fais jamais de chanson en anglais. Je me suis dit, tiens, je vais faire une chanson en anglais. Alors, il y a quelque chose d'intriguant, Sancho n'a pas... Alors moi je déteste ces chanteurs français qui écrivent des chansons en anglais parce que déjà souvent ils ont très peu de vocabulaire, en plus ils ont un accent pas terrible et je trouve que ça n'a pas de sens. Non mais justement parce que j'articule très bien et avec l'accent pourri français on comprend. Tu vois ce que je... Non mais on a quand même réussi à se mettre d'accord et on s'est dit qu'on allait faire une chanson où il allait chanter sa chanson en anglais, mais moi pour que tout le monde puisse comprendre vraiment ce qu'il dit, je vais traduire petit à petit. J'ai dit pourquoi pas, et nous en sommes arrivés là.
Merci à tout le monde. Merci.